Les élections municipales de 2023 déjà annoncées. Les élections municipales et régionales de 2023 déjà annoncées en Côte d'Ivoire. Le PPSC continue de battre campagne sur le terrain. Que se passe-t-il dorénavant entre le PDC RDA de M. Henri Konambidi et le PPSC de M. Laurent Gbagbo? Des jeunes du PDC RDA mettent en garde contre des alliances contraignantes entre le PDC RDA de M. Henri Konambidi et le RHDP de M. Alassane Ouattara. Voici les raisons formelles. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Des jeunes du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDC-RDA, par le canal de Emma Alamba, secrétaire national chargé des élections de la jeunesse du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, en abrégé JPDC-RDA, Uben, a produit une déclaration relative à la nomination de Niaké Kofi. Dans la dite déclaration, il a souhaité la nomination d'un jeune pour l'animation de la cellule chargée des élections, tout en mettant en garde le PDC-RDA de M. Henri Konambidi contre des alliances contraignantes. La nomination de Niaké Kofi par M. Henri Konambidi en tant que secrétaire exécutif chargé des élections n'est pas appréciée par certains jeunes du parti politique de PDC-RDA de M. Henri Konambidi. Emma Alamba, secrétaire national chargé des élections de la JPDCI-RDA Uben, l'a fait savoir en ce matin dans un communiqué adressé directement au président du PDCI-RDA de M. Henri Konambidi. Dans une déclaration qu'il a produite dont nous avons une copie en notre possession, il a estimé qu'il serait donc souhaitable pour le PDCI-RDA de M. Henri Konambidi de trouver un jeune cadre valide et apte à occuper ce poste aussi bien qu'au poste de représentant du parti politique à la commission électorale indépendante, en abrégé CEI, car ces deux postes sont tous aussi importants dans l'organisation des élections présidentielles à venir en 2025. Le challenge est lancé par le Rassemblement des Fautistes pour la démocratie et la paix, qui a décidé de chasser le PDC RDA de M. Henri Konambidi d'Abidjan. Mettons les hommes qu'il faut à la place qu'il faut en évitant de compter naïvement sur les alliances contraignantes, ont-ils rétorqué. Parlant d'alliances en Côte d'Ivoire, soulignons qu'en Côte d'Ivoire, les alliances continuent de guider le jeu politique après le Front républicain du Front populaire ivoirien en abrégé FP et l'ex-RDR, puis le RHDP qui a uni le PDC-RDA à l'ex-RDR et plusieurs autres partis politiques. Ce sont maintenant le PPSC de M. Laurent Gbagbo et le PDC-RDA de M. Henri Konambidi qui se reprochent de zonzon. En Côte d'Ivoire, les deux anciens présidents ont clairement affiché leur volonté de renforcer l'alliance de leurs deux partis politiques qui n'est autre que le PDC-RDA et le PPSC de M. Gbagbo qui s'était déjà illustré pendant les élections législatives de mars 2021 par les soutiens réciproques. Où la coalition de listes de candidatures des deux partis politiques, le PDC-RDA de M. Henri Konambidi et l'UDS de Georges Amand Ouignon. Le mystère traîne toujours autour du décès tragique du fils de Davido. Serait-il mort par noyade? C'est la question qui ne cesse d'alimenter la toile présentement. Davido a perdu hier mardi son fils. L'artiste nigérian Davido traverse depuis quelques heures des moments de douleur tels que nous rapporte certains confrères très proches de l'artiste Davido. Après avoir appris le décès tragique de son garçon, Davido, d'après certains sources proches collaborateurs, l'artiste a failli se déshabiller et courir dans les rues avant d'être retenu par ses proches collaborateurs. La même source a détaillé le même jour les circonstances du décès tragique du fils de Davido. La nounou était avec le fils de Davido, selon cette même source proche collaborateur. Par la suite, le chef est venu le rejoindre. La nounou se serait légèrement éloignée pour recevoir un appel à son retour. Elle n'a pas trouvé le fils de Davido. Elle a soupçonné le chef d'être avec le fils de Davido. Elle a commencé à paniquer, mais ce dernier a dit qu'il n'était pas avec l'enfant. Ce dernier a dit qu'il avait laissé l'enfant avec elle, se confiant ainsi sur un site proche de Davido. Un proche de la famille Adeleke a révélé
qu'ils ont su. Le chant commença à chercher l'enfant dans toute la maison pendant 20 minutes déjà passées, jusqu'à ce qu'un agent de la sécurité le repère dans la piscine déjà noyée. Cette scène, qui demeure incomprise par la famille éplorée, plonge ainsi les parents de l'enfant dans un état inconsolable, selon les sources proches, collaborateurs et concordantes.